Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer définitivement notre compte Facebook. Alors, dans une précédente vidéo, nous avons vu qu'il était également possible de désactiver temporairement notre compte Facebook et de ainsi bloquer l'accès à nos données par d'autres utilisateurs Facebook, et qu'il était ensuite possible de réactiver ce compte et de restaurer toutes les données relatives à notre compte. Alors, si on souhaite supprimer définitivement notre compte ainsi que les données relatives à celui-ci, il est tout à fait possible de le faire. Alors nous allons le faire ensemble. Alors pour information, Facebook ne donne pas l'accès directement sur cette plateforme à l'option de suppression du compte. Il faut aller sur un lien spécifique. Je vous mets directement sous la vidéo dans la description. Donc là, lorsque vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez sur cette page de suppression de compte. Donc vous avez une information de Facebook vis-à-vis de cette suppression là, et vous avez juste à cliquer sur supprimer mon compte. Et donc là, par sécurité, Facebook vous demande votre mot de passe ainsi que de rentrer justement le petit paramètre de sécurité supplémentaire. Donc là, Facebook nous informe bien que la suppression définitive du compte est bien actée et que l'on a 14 jours avant la suppression définitive de celui-ci. Donc si on se connecte sous 14 jours avec nos identifiants sur ce compte, eh bien la demande est annulée. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Sur ce, bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !